Absolument, la presse parlée, écrite et télévisée qui est là, je dis. Donc, nous lançons l'invitation ça, dans le cadre d'une initiative que nous apprenons pour la deuxième fois, qui c'est un concours de chant, qui sont un concours de talent pour nous faire promotion de talent, pour nous découvrir nouveaux talents cachés, que nous organisons dans l'occasion Fête Maman. Donc, année, ça, c'est la deuxième édition que nous lançons. L'homme dit non, on a parlé de AJPE, Association des jeunes penseurs pour l'évolution, PES Construction, qui sont compagnies de construction, et puis il y a Joff Studio. Donc c'est nos trois entités qui mettent tête ensemble pour nous lancer la deuxième édition concours chant dans l'occasion Fête Maman. Comment ça va? Alors, concours, il y a plusieurs phases. Alors, concours a ligué plusieurs phases là-dedans, notamment l'inscription qui déjà commencé le 31 mars. Et puis après ça, nous allons faire formation avec participants et pour les bayo des notions appropriées sur sa guerre avec le domaine chant. Et ensuite, pour être capable d'enregistrer dans le studio et puis pour être capable de performer. Et puis dans différentes séances de performance. Donc, on a fait la sélection et puis élimination jusqu'à ce que nous arrivions à gagnant. Ok, gagnant, il y a trois gagnants. Ok, pour y avoir changé à l'année ça? Et pour y avoir changé et y avoir doublé à l'année ça. Donc, c'est 1 000 $ américains pour le premier gagnant. Deuxième prix, c'est 700 $ américains, troisième prix, c'est 500 $ américains. Donc, faire description, c'est 2 500 gouttes. Pas de problème, on arrive à mieux. Bien entendu, comme c'est première édition, et alors pas vraiment de difficultés, dans le sens que tout le monde est arrivé satisfait, parce que même le monde qui est dernier, hein, par rapport à ça, il y a comme background, ça, il y a comme backup, encadrement. Donc, bon, quand même, tout le monde a toujours souhaité, c'est pour être champion, mais tout le monde n'est pas champion. Et même mon qui était troisième, il est arrivé à le champion dans l'autre concours. Et il dit c'est par rapport à ça, nous avons qui permettre que les champions. Nous, c'est pour ça que nous choisissons pour les sociétés à côté que nous avons dévalorisé. Donc, on va pas vraiment trop d'importance. Okay? Donc, nous-mêmes, nous organisons le concours dans l'idée. Pour valoriser maman, pour yo ba maman yo honneur, respect que yo mérite. Parce que maman, c'est trop dominant. Okay? Donc, dans la famille, donc dans la société, donc nous-mêmes, nous aider à ou bien nous contribuer à valoriser et maman. Yo. Bien entendu, et si nous regardons sous crise, nous ne prenons rien. Nous-mêmes, tout, nous ne pouvons pas couvrir l'événement. Nous-mêmes qui là, nous sommes des professionnels, nous ne pouvons pas le travail. Et comme si nous avons regardé sous crise, nous ne pouvons pas faire rien. Nous chita la caille, nous mangeons, nous dormons et nous sommes dans le monde. En dépit de toute bagarre, il y a toujours une opportunité. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous disons, pas baisser les bras, quel que soit le reste. Donc toujours des jeunes qui ont souhaité un environnement pour faire promotion d'argent. Toujours des jeunes qui ont cherché une opportunité. Donc nous-mêmes nous là pour nous créer une opportunité, ça, malgré vas et marée, nous continuons à passer. Ok, sur quel critère que nous avons participé? Et ADA et pas de critères, quel que soit l'âge, monde, quel que soit le sexe, il suffit que l'intéressé et remplir les conditions de participation. Donc, qui c'est verser 2500 gouttes là, et puis, il connaît qu'il est capable de chanter pour le convaincre du jury, donc il est capable de participer. Donc, on a déjà. Bien entendu, nous avons un local fixe, donc nous avons parlé avec plusieurs. Donc, ça que nous avons joué une bonne entente avec là, donc le public là connaît. Le biais de Nomento, donc qui côté que l'activité ça va faire. Combien est-ce qu'il y a déjà? Et jusqu'à présent, nous avons environ 10 environ. Donc, et nous continuons à recevoir des gens qui sont intéressés pour inscrire. Donc, c'est que tu as pour inscription en bout, donc nous avons gagné. Parce que nous avons 20 ou 30, pourquoi pas 50. Ok, comment commencer? Qui est-ce que vous finissez? Comment vous commencez à partir de mi-avril? Donc, et puis il a fini dans le dernier dimanche, mois de mai, qui c'est le dimanche fête des mères. Quelle est l'interprétation de chanter que nous avons autorisé, mais nous avons participé à l'interprétation? Ok, dans la première séance, nous avons
des musiques que participants lui-même ont choisi, des musiques qui chantaient déjà par des artistes haïtiens, que l'a interprété. Et puis dans l'autre séance, c'est chanté par que le Vénard. Elle a venu avec Texli, elle a enregistré Texli, elle a fait studio, tout ça. Donc c'est chanté par qui pral et fait promotion. Chanter notre artiste soit tourné toujours, toujours même. Oui, toujours, toujours même thème non, qui c'est maman, ok. Et puis musique que l'artiste a proposé, donc là. Centré sur un bail, mais au plus à l'aise, c'est le thème central là. Au niveau de ma jury, comment ça va? Bon, pour ma jury, on a augmenté le staff là, ok? Parce que tu as des gens qui ont été sollicités depuis l'année dernière, mais qui n'ont pas de temps pour avoir activité professionnelle. Mais à l'aise, il y a plus de temps, il y a plus de temps, donc on a un jury qui vraiment changé et qui varie. Le premier prix c'est 1000 dollars américains, le deuxième prix c'est 700 dollars américains, le troisième prix c'est 500 dollars américains. C'est AJBE, Best Construction avec Drop Studio, qui a organisé pour la deuxième fois, concours chant, dans l'occasion de faire Mamayo qui est pour thème Un bail Mamayo plus valeur. N'attendons-nous toutes.